Donc vrai faux journal, intitulé Moment d'été. Mardi 5 juillet 2016. Le thé du matin dans mon corps de 54 ans. La purge et l'onction. Comment il circule dans la viande. Sa fluidité. Comment il lave de tout. Je me souviens de Madame Fraîchefond. Elle était une vieille femme quand j'avais 7 ou 8 ans. Je la revois, vêtue de sombre et mince, presque sèche, le milieu du corps ceinturé, sanglé. Elle et Madame Durif, l'institutrice qui m'a appris à lire et à écrire au CP, sont les seules femmes que je connaisse à vivre avec ou dans ces corps plats, serrés, tenus, contenus, rigides, cartonnés, peut-être évidés, je ne sais pas. Dans l'enfance, je ne peux pas le savoir. Je ne touche pas et ne suis peut-être pas touchée. Je ne me souviens pas d'avoir été touchée. Les autres femmes autour de moi sont plus jeunes et rebondies. Leurs corps ont du jus et débordent. Je le vois et je le sens. Madame Durif et Madame Fraîchefond boivent du thé et ne débordent pas. Parfois, quelquefois, je vais au Chérol, chez Madame Fraîchefond, avec ma mère. Ça ne dure pas longtemps. Elle nous reçoit. Madame Fraîchefond reçoit, dans une pièce boucanée et très propre, méticuleusement récurée, qui est sa cuisine. Madame Fraîchefond et son mari sont à la retraite. Ils furent paysans. Leurs terres sont louées et ils vivent dans une maison à un étage qui n'est pas agricole. Le thé non plus n'est pas agricole. Ma mère et Madame Fraîchefond le boivent. Elles disent des paroles, elles parlent des gens. Je les connais, je connais les gens. J'écoute dans l'odeur marron du thé que je bois aussi pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Le thé chaud et marron est une vieille pisse que je bois même si ça me dégoûte. Plus tard, quand je serai grande, et ça vient, ça va venir forcément, plus tard, je ne veux pas avoir de jus, je ne veux pas déborder, je veux être du côté de Madame Durif et de Madame Fraîchefond. Alors, je fais ce qu'il faut, je fais les gestes, même si je sens que ça ne servira à rien. Je bois du thé.